que tout ce qui respire loue l'Éternel. On te mananga le comme ça yo, ma banzo nanga le sanjola yo, po oyonga na zomona ilongoli bonzame na yote. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, je faisais le tour des réseaux sociaux lorsque je suis tombée sur une publication de rap de Kin sur Instagram qui disait que un jour après la sortie de Bana Congo, c'est le Oscram cumule 52 écoutes sur Spotify. Non mais sérieux, je suis choquée. Non mais excusez-moi, en plus c'est vrai. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Erwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyimuku Siatel, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, police de police, celle qui se mêle de ce qui ne lui regarde pas et celle qui fourre son nez partout. Ok, alors suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle, Twitter Demeure Officielle et mon WhatsApp, c'est le numéro qui est affiché là. Pour ce contenu, oh, je vous propose mon cocktail, mais tout frais là, c'est-à-dire j'ai rajouté le lindongue dans mon cocktail, j'ai rajouté un peu de cœur de bœuf, j'ai rajouté un peu de likalakon qui est un peu de l'ipé là, de l'idame, de mille et sobé. C'est-à-dire qu'en 2021, mon cocktail va avoir des fruits en plus. Hein? Pas des fruits qu'on a l'habitude d'utiliser, là, n'est-ce pas? Surtout pour des contenus aussi marmaillés, où il y a un peu beaucoup trop de kongosa, de songi, songi. Il faudrait vraiment que l'on puisse rajouter des fruits, quoi. Donc, voilà. Alors, je lève mon verre à tous les noko. Et à tous ceux qui vont suivre ce contenu, à tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle sur le numéro qui est affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très, 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 très abordable. Ok. Alors, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je vous invite nombreux à vous abonner sur ma deuxième chaîne YouTube, la DOF officielle. Le lien, vous le trouverez en barre d'infos. Allez vous abonner massivement parce que j'ai l'intention de commencer mes vlogs. Je suis en train de voir, de réfléchir sur si je dois commencer ça ici ou sur la DOF. Or, s'il y a la DOF, il y a moins d'abonnés. Je serai obligée de booster cette chaîne-là et mes vlogs iront de ce côté-là. Donc, soyez parmi les premières personnes à suivre ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Ou carrément, peut-être que je le ferai sur... Enfin, bref. Abonnez-vous. 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 C'est le plus important. OK? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je faisais le tour des réseaux sociaux lorsque je suis tombée sur une publication de Rap de Kin. Alors, ils ont posté que un jour après la sortie de Bana Congo, c'est le Oscram cumule 52 écoutes sur Spotify. J'en rigole, hein, mais je suis choquée. J'ai dit pardon. 52 écoutes, non mais vous êtes sérieux? J'ai dit c'est pas possible. Et je demandais à quelqu'un, quelqu'un m'a dit que c'était vrai. Oh. C'est pas possible. Je dis 52 écoutes. Donc, c'est Léo est incapable de faire ne serait-ce que 1000 écoutes après un jour, après la sortie de son son sur les plateformes. Il est incapable de faire 1000 écoutes. Il fait 52 écoutes. Mais lorsque c'est Léo scramble pour tacler les gens sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il a raison. On a l'impression que la terre va s'arrêter. La question que je me pose au fait... Vous basez votre carrière sur quoi, au fait? Sur les polémiques à la noix, sur clasher les autres, diminuer les autres, faire des choses terre à terre, ou vous basez vraiment votre musique sur des choses rentables? C'est-à-dire, quand tu postes ton truc sur les plateformes, tout, normalement, succès, c'est le Mr. Poutine et nanani et nanani et consort. Sauf que tu es l'Européen dans la plateforme, il faut que tu vois où il est là-bas, qui est au Yoka. 52 écoutes sur les plateformes. Non, mais il est sérieux. Et je suis sûre que même si on partait sur toutes les autres plateformes, on ne va pas trouver des chiffres qui vont dépasser la barre des 50 000. Mais si c'est le haut passe à la télé, il va oublier qu'il est censé vendre sa musique.
Mais il va parler des autres, il va tacler les autres, il va se mettre en polémique avec les autres. Lui, c'est lui qui a à dire sur les gens. Il est temps que nos artistes puissent prendre au sérieux leur carrière. Même si c'est une chanson pour le Congo. Même si c'est une chanson pour le Congo. Ça ne veut pas dire que ça ne ça doit pas avoir beaucoup d'écoute. Il y a de ces artistes de ce même pays que lui tacle aussi. Même s'il chantait pour le Congo, il mettait ça sur, il met ça sur le plateforme. Ça va faire beaucoup, beaucoup d'écoute. Ça va faire beaucoup d'écoute. 52. Non, mais il est sérieux. Peut-être même que ces 52-là, ce sont des gens qui sont passés par là par hasard, hein, qui n'avaient pas forcément besoin ou encore envie d'aller écouter ça là-bas. Hein. Non, mais franchement, je suis juste choquée. Et j'en ai beaucoup rigolé. J'ai dit, ah, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Au fait, c'est comme si eux-mêmes, au fait, certains de nos artistes, hein, ceux qui sont dans ce genre de pratique, bien entendu, je n'indexe pas tout le monde, eux-mêmes, ils savent que et dans ma musique, j'ai plus rien à vendre, j'ai plus rien à donner. Donc, que je puisse me nourrir ou que je puisse nourrir ma musique en faisant des polémiques envers Y, même s'il ne va pas me répondre, mais à l'instant où je l'attaque, ses détracteurs vont être servis et moi, ça me fait une visibilité au fait. Or, ce n'est pas ce que tu vas léguer à tes enfants, ce n'est pas ce que tu vas léguer à la génération future. Il y a des jeunes qui étaient assis chez eux quand ils voyaient. C'est le Scram en tant qu'Atalakou. Ils étaient en train de dire, ah moi un jour j'aimerais faire comme Céléo. Mais aujourd'hui, à cause de ce qu'ils voient et de Céléo, on va pas dire que Céléo a réussi sa vie en tant qu'Atalakou. Je suis désolée, je vais peut-être vous choquer. Excusez-moi, mais c'est vrai. On va pas dire qu'il a réussi sa vie en tant qu'Atalakou. On va pas citer Céléo parmi les Atalakou qui ont réussi leur vie. Hein. Ça, c'est les impressions qu'il met sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, il roule bagnole, carrosse et nanani et nanana. Mais en réalité, quelqu'un qui a réussi sa vie, ça se voit. Hein. Il n'a pas besoin de le dire. Hein. Ça se voit, ça se sent, ça se sait. Ça se sait. Et aujourd'hui, si les jeunes doivent prendre exemple, ils vont prendre l'exemple de la réussite et non l'exemple de quelqu'un qui parle sur les réseaux sociaux à attaquer les autres gratuitement. Moi déjà, c'est Léo, il m'a grave dégoûté après le jour où il est passé dans un de mes lives pour venir faire son C'est Léo Scram. Vous savez, il est venu faire ces histoires qu'il a l'habitude de faire. Là. Moi, j'étais en plein live et tout. Je pense que c'était un live lié à l'affaire qu'il avait eu avec Fergani la merveille, où il était venu sur le poste de Fergani. Il vient provoquer Fergani et Fergani réagit. Et il était allé loin dans ses propos. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça au fait. Et j'ai fait un live pour dénoncer ces choses. J'ai dit, mais il ne pouvait pas tenir des propos comme ça. Alors, Céléo vient, il débarque dans mon direct et tout. J'essaie de lui poser la question pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais il m'a répondu, mais d'une manière mais très bas. J'ai dit, mais après, on se demande si le gars-là n'avait pas tort de réagir comme ça envers lui, au fait. Toi, tu m'appelles en tant que youtubeuse, je suis en plein direct, je te pose des questions en fonction d'un truc qui s'est fait. Et tu m'appelles en plein live pour me dire, moi qui m'obale, il qui moi, c'est sur moi et toi, on est pendant ce temps, franchement, mais il est. J'ai dit, mais c'est quoi cette bassesse au fait? Depuis ces jours-là, moi, je ne le prends plus trop au sérieux. Au fait, j'ai ce défaut-là. Moi, à l'instant où je te mets dans une case et que tu manifestes une bassesse, même un tout petit peu, là, je te mets tout de suite à côté. Je suis allergique à la bassesse, au fait. Je te mets tout de suite à côté, je ne te vois plus de la même manière. Pour moi, les gens doivent faire un effort de garder le respect qu'on leur accorde. À l'instant où tu fais hic, je te mets mes deux côtés et c'est comme ça. Hein? Mais non, le gars, il est toujours là dans les trucs. Il passe toujours pour piquer, pour clasher, pour nanani, nanana. Mais tu dois léguer quelque chose à la génération future. Tu dois léguer quelque chose à la génération future. Même je vais citer les noms, permettez-moi, je suis dans mes droits. Enfin, après, je suis congosseuse, je suis youtubeuse. Et voilà, je fais mon pac-pateau sur les affaires des gens. C'est comme ça que ça se passe. Même Fally que tu critiques deux fois. Même si on va me dire, toi, tu parles, je m'en fous de ce que vous allez dire après. Mais même lui, demain, les jeunes, quand ils vont parler, c'est la génération Tokos, au fait. Tous les jeunes sont phallinisés aujourd'hui. Les jeunes veulent être propres, veulent être beaux, se coiffer d'une certaine manière. Depuis qu'il a mis la raie, là, tous les jeunes maintenant mettent la raie. Quand il met un style, là, les jeunes mettent, même si c'est de la vieille école, les jeunes essaient de porter et tout ça dans la façon de parler, dans l'élégance, dans la façon de bouger. Il a montré aux jeunes, au fait, hein? Mais quand on va demander à Céléo, c'est que lui, il a légué à la jeunesse, même en termes de comportement comme ça.
c'est provoquer les gens gratuitement, oh, ah, c'est clasher les gens gratuitement, oh, ah, c'est hein? On va se poser des questions, on va se poser des questions. Hein? Et quand on veut dire musicalement, moi, pas Wenza Minzemba. Je ne connais pas une autre chanson de ces. Enfin, il y a une autre chanson, Ototanazi. Les deux chansons-là de ces Léo-là, que moi, enfin, que je connais, que j'aime bien aussi. Mais je pensais qu'après ça, il allait nous proposer des choses meilleures. Et puis, j'aurais entendu dire qu'il veut remixer une de ces chansons-là. Lui qui dit que Fally n'est pas un bon chanteur, Fally n'est pas ceci, Fally n'est pas cela. Comme par hasard, une chanson qu'il a chantée avec Fally, il veut le remixer avec pas n'importe quel artiste musicien de ce pays. Il veut le remixer avec Déplique Pomba Nuance. Non, mais il est sérieux, mais ça c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Je pense que je dois trouver un mot approprié, adapté. Ça, c'est même pas ça, au fait. Je dois trouver... Ça, c'est se foutre de la gueule du monde entier. Tu estimes que l'artiste Fally chante pas bien ou nanani et nanana, tout ce que tu as raconté autour de la chose. Et tu veux faire un remix, comme par hasard, de tous les artistes qu'il y a à travers le monde. C'est avec Déplique Pomba et Nuance que tu veux faire un remix. Non mais c'est Léo, avec ça, tu veux qu'on te prenne au sérieux? Mais tu te fous de la gueule de qui au fait? Qui ne sait pas que Déplique respire Fally? Mais lui, il est exactement ça. Si tu voulais nous épater, quand tu veux nous dire mieux, il faut sortir de là, il faut aller loin. Il faut faire mieux, va nous chercher Kanye West. Carrément, fais un feat. Mais nous ne sommes même pas dans le terrain de Déplique. Tu penses que Déplique va apporter, c'est un artiste que je respecte parce qu'il chante bien, mais c'est l'amélioration que tu recherches ou la perfection que tu recherches, c'est chez Déplique. Mais c'est comme si tu as chanté avec un original et une photocopie. Au fait, excusez-moi, je suis peut-être fort là, mais c'est vrai. Et avec ça, c'est le vœu qu'on le prenne au sérieux. Et quand il passe à la télé, c'est pour raconter des âneries, voilà. Comme par hasard, 52 écoutes sur les plateformes. 52. À un moment donné, entre la polémique et ta carrière, qu'est-ce que tu mets en avant? C'est comme si tu sais déjà que toi, c'est mort quoi, ta carrière. Tu fais juste les choses parce que tu vois, tu veux rester en actualité. Vous savez, avec le buzz, il faudrait toujours avoir un contenu sur le marché, nanani, nanana. Et puis dans ce sens-là, on comprend. Après, quand je vois les choses que Céléo fait sur les réseaux sociaux, deux fois, il s'assoit, il publie une vieille photo de lui et de Fally et tout ça. Et puis un autre jour, il part provoquer même en allant commenter dans une publication de Fally ou une publication qui parle de Fally où il part tacler, part clasher et nanani nanana, il lance des pics. À un moment donné, hein, moi je me dis que Céléo ne fait pas ça par mauvaise foi. Céléo Scram est peut-être le premier warrior, mais les gens ne le savent pas. Peut-être qu'il est plus warrior que tous les warriors ici. Seulement, comme vous savez, non, dans la polémique aujourd'hui, il faudrait se maintenir en actualité. Et pour se maintenir en actualité, le choix est clair. Tu dois aller tacler, jongler. C'est moi là-bas. Ok, non, pas coin. On en est au maintenir en actualité. À l'état, on va warrior, puis bon, ils ont monté ma banque la publication, on va clasher, yo, hein. On dit, bah, warrior, il fallait pas clasher, c'est le épais, ma pas warrior, puis bah, comment la buzz, na bang, ouais. Les warriors ont un succès de ouf, hein. Les émissions se font aujourd'hui des droits de réponse envers les warriors. C'est même pas l'artiste, envers des fans et des fans identifiés. Warrior. Aujourd'hui, les warriors sont pas n'importe qui, hein. Ah. Moi, je pense même que je commence à être convaincue que Céléo est un vrai warrior, au fait. Très warrior. Il est même plus warrior que certains warriors. Enfin, bref. Céléo, franchement, 52 écoutes sur les plateformes, remets ta carrière en question. Je pense que tu as besoin de léguer quelque chose à la jeunesse de notre communauté. Demain, peut-être que dans le temps, hein, on n'aura plus d'Atalaku. Demain, on aura des jeunes qui vont faire des musiques, qui vont choisir de faire... Pas seulement la rumba, mais la rumba trap. Ils vont choisir de faire la musique ouverte. Une musique ouverte comme ça, comme les Tokos 2 et tout. Ils vont choisir de faire ça parce qu'ils ont vu qu'un aîné l'a fait
et à l'international, ça réussit. Aujourd'hui, nous sommes d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi. Je voulais dire que Inosbi, la musique qu'il fait, il cible pas qu'ici chez nous. Hein. Il cible partout. Gezmawet, n'en parlons pas. Aujourd'hui, les gens qui ciblent seulement la communauté restent un tout petit peu à la traîne. Ceux qui peuvent dire, oh, on m'a appelé à gauche, on m'a appelé à droite, on m'a appelé à l'est, on m'a appelé à l'ouest. Regardez par vous-même. Même Koffi Olomide l'a compris. Il est déjà légende. Ils nous ont emmenés dans Bado. Il a essayé de sortir de sa zone de confort à telle actualité aux allées de la jeunesse, à pécher le roman et à bas jeune. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire qu'ils vont léguer des choses à la jeunesse. Ils vont léguer des choses à la jeunesse. Mais batala kuna biso, on dit bo limu e karaboye. Pourtant, boza bino de bo bini sara jeunesse oyo. Bino penande bozara makam. Ba musicien kou tout manan ze akaba beta ba tia ba parti na ba onda ba rumba. Mais bino de bozara ko beta ba sebe ne zo ba succès zo beta ba feti nyo so parce que c'est le abouaka ki, Bill Clinton abouaka ki. C'est le, il est temps que tu te remettes en question. Bah à part on a pas kenda rokabelo on a pas award non on a pas kenda rokabelo chaque année on a pour akuna ndozwa ato salé le thé mon jango quand même biso ba kenda po les autres ils prennent des trophées et ça se justifie par un travail fait mais si le ato salé le thé zora ba apa na yewan il faudrait que tu puisses léguer quelque chose à la jeunesse, c'est important. C'est honteux avec tout le bruit que c'est Léo fait sur les réseaux sociaux, avoir 52 écoutes sur les plateformes. À un moment donné, quand certaines choses arrivent autour de vous sur les réseaux sociaux, que ça vous pousse à vous taire au fait. Au tal et au biti. Parce que la discussion aujourd'hui, c'est pas on a l'attaque Yoji, on a l'attaque Nini, on a l'attaque. Comment on a l'attaque Soussouté. Aujourd'hui, musique est commis Betandeba Sombopé. Bah, vu que tout t'es. Betandeba Sombopé. Beta, Yemba, Bimisa, Basomba yo. Et aujourd'hui, on commence à découvrir qui ont vraiment une fanbase et qui ne l'ont pas. Les gens qui vous distraient là dans les commentaires là et tout ça parce que vous leur avez servi une polémique, un besoin purement communautaire. Le coup, on m'a dit 500 commentaires. Moi, je vais te dire que je suis un fan. Je suis un détracteur. Là, je suis un détracteur. Et ça, mon tout moron a 3 téléphones, on a 3 adresses email. Et rajouter sur le cas un nombre. Et si quand on a dit que tu as un fanbase, tu as un son, et ça sur les plateformes, le résultat est là. C'est Léo. Comment tu justifies que Mr. Poutine a eu un succès, ni au solo barquois, 52 écoutes sur les plateformes. Après, demain, c'est toi qui vas gueuler sur tout le monde. Désormais, avant que quelqu'un puisse parler, aïe, la bise au capture à ma stream, à ma plateforme, et puis t'es ok, vérifié. Comme ça, si t'es ok, vérifié, t'es mon ya, que yo penso za na ba stream. Ok, ya ou démarré ba tout sur les réseaux sociaux, viens te permettre de dire certains trucs aux gens. Aussi longtemps que tu fais quelque chose qui ne s'achète pas, laissez les gens tranquilles. Parce que la musique, n'est pas moi na ba stream, moi n'est na ba plateforme, moi n'a ba tout ba son ba ba musique, moi n'est la kara, nini ba fan ya ba tout, on a forcément, t'es même ba détracteur, ba sepe la son bien, moi. Bino bokasi balbomo e bimi ami ange mi demo te cause de bato ba son mesa ba fan héritier ba fan a fali. Non, c'est aussi les détracteurs. Moi je pense que dans notre communauté certaines discussions doivent se faire dans les médias que lorsque les gens ont réussi à vendre. Tu as combien d'écoutes sur les plateformes? Oh, j'en ai autant. OK, d'accord. Viens assieds-toi, tu peux parler. Oh, j'ai 52 Parce que je suis convaincu que même moi si je sors mon son parce que je sors mon son bientôt. Bientôt là je vais sortir que je finisse ce que j'ai à faire. Quand je vais sortir, si je mets mes trucs sur les plateformes, je suis sûre que j'aurai beaucoup d'écoute que c'est Léo. Il faut arrêter de venir casser les oreilles des gens avec des polémiques à la noix si vous ne réussissiez même pas à faire consommer votre musique aux gens. La vraie discussion ne se fait plus par des émissions que vous êtes en train de faire ici sur les réseaux sociaux. Tout comme on a plateforme. 50 écoutes. Na makele nyo so bosa na réseau so wana na niveau 50 écoute. Ah ouais? Ah non mais vous êtes sérieux là? Mais je suis choquée quoi. Non mais je suis choquée. J'en ai rigolé mais à un moment donné c'est honteux. C'est honteux parce que quand les Français font la polémique,
Tu vas voir Niska qui se dispute avec Booba. Le gars, il vend et Booba vend. Peut-être que moi, quand tu es à Rolera Mouninga, ma tête est quand même. Tu vas voir peut-être Naza Barobe Bana que Black, c'est un exemple que je donne comme ça. Que Black a ça la tournée, Naza ça la tournée. Bato ba ça la mbongo, ba oswana. Et ton bon ça, la polémique, il y a son mirage, je reviens, oh, kou na son biso qui paye, na y ba ta ba marka mi tout kate. Mais biso a ton saka polémique, na mouta sali l'autre, il faut finir quand mouta sali. Et puis ba dwa bete le mabou. Tous ont encouragé ma musicien te ba travailler te. Y a un ma musicien so ba tik ala rana ba niveau ana parce que tant ba finga muta sa musa la bino ba bete ba ma boko. Ezo distra ba onsko ba sa musa te ba quand ça déjà que oh ba sa la ana c'est bon. C'est aller ça réussi. Le résultat est là, c'est le écrit ici, il a 52 écoutes sur les plateformes. Et puis c'est pas sur les plateformes sur les nini plateforme moko. Et si on fait la comptabilité de partout, peut-être même que biska musa azata na nini mon côté. C'est choquant, c'est choquant. Donc voilà, au fait, c'est ce que je voulais. J'en rigolais au début, mais après, j'ai voulu vraiment mettre beaucoup de sérieux pour dire à nos musiciens que vous avez tous du potentiel, vous avez à vendre. C'est là où tu ne vas pas parler toute ta vie de Ototanazi, de Wenza Minzemba, et puis. Au bête, tu es sous. Oh, non, bah. Toute ta vie, tu vas parler seulement de ce que tu as fait quand tu étais employé chez quelqu'un. Depuis que tu as commencé carrière solo, qu'est-ce que tu peux parler de concret? Oh, yo, sali penza, oh, les qui n'ont pas de médias. Bah, tu vas tout n'yon falité, bah, tout n'yon de comme ça, soit à la couana, bobe, bah, la ranéte, bah, tout n'yon, bah, tout somme, bah, la tête, bah, tout n'a yo, c'est le haut, bah, ta carrière, non, bah, bilou, aux ans, non, sur le marché, aux autres, t'es qu'à projet, non, bande, bande, une émission d'une heure rien que sur toi. Je pense que c'est à ce niveau-là que nos artistes doivent arriver. Et si je dis ça, il y a quelqu'un qui va me dire, toi tu le dis en faveur d'une personne. Ce n'est pas en faveur d'une personne, c'est en faveur de réveiller la conscience de nos artistes. Parce qu'ils sont trop dans la connerie. Pendant que vous êtes en train d'insulter, l'autre il est en train d'avancer. Alors pourquoi mon ingazo kena comme dia musika bino bozo tiraga ka vers les bana ba polémique la noire. Et on peut m'en connaître, parce que comme il m'a foutu à bozo glisser ka bokoya. Bozo glisser ka bozo koya. Et aussi mbalisu souté. Ça ne va plus marcher. Les gens ont compris et les gens ne vont plus vous suivre dans cette logique-là. Alors, il est temps que chacun puisse commencer à s'asseoir et à travailler sur sa carrière. Vous avez tous des choses à léguer à la jeunesse. Hein? Batala ou Bokirap? Bokirap, on a besoin de l'œuvre. On continue. C'est un négono à la maison, mais c'est un héritier. T'as un album héritier. On a analysé sur Yangote. Il y aura un roi Manitou. Il y aura un titre héritier à Béti. Yo solé, qui a wa ezaka make 52 écoutes, c'est le. Tu m'as choqué. Je suis très choqué. De tous les bruits que tu fais 52 écoutes en un jour, tu n'es même pas capable d'enregistrer 2000 écoutes sur Spotify. Ah, Italie bino, hein. Bino monde, boe bine, ni bozo. Ah, ça, enfin. Bref, enfin. Je pense que c'est ceci dit. Il est temps que nous puissions demander à nos artistes de travailler. Tout le monde doit travailler. Avant de parler à l'autre, travaille. Avant d'ouvrir la bouche pour parler, on fait un tour sur les plateformes, on regarde ce que tu as fait. Si tu n'as rien fait, ne dis rien, tais-toi, assieds-toi. C'est comme ça que ça va se passer. Comme ça, au moins, que les gens qui travaillent puissent discuter entre eux. Au moins, eux, ils vont discuter chiffres, ils vont discuter calendrier, ils vont discuter des choses concrètes. Les amis font la polémique de la musique là-bas dans d'autres pays, ils ont des tournées. Ici, on n'a que quelques noms qui font des tournées. Na inosbi à ça la va tourner. Na inosbi à ça la tourner. Mais moi, c'est le même soir, bouger pour tout thé. Ma c'est mes messieurs, belle attaque les bateaux. Mais ma ben ici, et si quand t'as un anniversaire. Est-ce que c'est normal? Mais il me doit avoir attaqué les bateaux. Hein? Barotique et la jeunesse ni. Quand on va dire ça, on n'aime pas les gens. Ah. Après, je suis congosseuse, hein. Je dis ça, je dis rien. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Après, c'est à prendre ou à laisser. Ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Je dis et je vous remercie. L'amour est Dieu, Dieu est amour, paix sur terre. Je vous aime, à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel, au thème d'un grand, les commissaires.
abanto nanga esanjola yo po oyo nga na zomona ilongoli bonzame na yote.